Oui, donc il faut dire que je suis un peu intimidé effectivement d'être devant en fait de proposer ce thème devant un grand expert en analogie, mais donc je vais essayer de me débrouiller le mieux. Il faut juste que je trouve. Ah oui, ah oui, c'est nécessaire. Faut toujours trouver en fait les fichiers quoi, où je les ai mis. Pas évident. Donc, ce que je vous propose, c'est juste que je termine ma lutte avec la machine. Bon. Est-ce que ça marche? Ça marche pas? Ah, voilà, c'est bon. Ah, c'est bon, ça marche. Ok, donc ce que je propose ici, c'est donc de parler de l'analogie en morphologie. Je ne vais pas me concentrer uniquement sur la morphologie, mais je vais essayer de prendre une perspective un peu plus large. Donc je vais commencer par exemple je vais commencer avec notamment le rôle de l'analogie en d'abord en sciences humaines en quelque sorte, ensuite le rôle de l'analogie, la place de l'analogie en linguistique. Je vais essayer à chaque fois de donner des exemples. Ce seront essentiellement des exemples français, latin. Donc pour ne pas vous embêter avec des langues un peu plus obscures que les langues slaves, disons. Mais là, donc si vous avez envie, bon là, on peut le faire aussi. Ce sera un petit peu ça. Donc j'essayerai aussi de voir un petit peu, en fait, ce qui m'a intrigué, c'est pour ça, en fait, pour quelles raisons j'ai proposé ce sujet. C'est effectivement que l'analogie, en quelque sorte, a été effacée. De l'écran linguistique pendant pas mal de décennies. Donc c'était essentiellement l'école générativiste, donc transformationnelle, donc l'école chomskienne, qui peut-être est en quelque sorte la principale coupable, mais bon, pas uniquement. Donc c'est pour simplifier un petit peu les choses. Alors, juste, lorsqu'on commence à parler de l'analogie, c'est-à-dire que normalement, toutes les études qui parlent de l'analogie, normalement disent que la recherche des analogies est en quelque sorte est le propre de l'homme, comme le rire, comme disait Rabelais, est le propre de l'homme. Donc c'est aussi donc les analogies, la recherche des analogies. Est la propre de l'esprit humain, au fait aussi de notre appareil cognitif. Donc c'est-à-dire que nous réfléchissons toujours au fait en ces termes-là. Alors, ce qui est aussi assez classique, c'est que l'analogie est basée sur la reconnaissance des similarités qui sont structurelles, souvent. Entre des éléments qui sont dissemblables, c'est-à-dire que vous avez toujours deux domaines différents et vous faites des parallèles, vous faites des analogies entre deux domaines différents. Donc ça, c'est la définition la plus générale. Alors, si on prend le trésor, en fait, la définition que vous trouvez dans le trésor de la langue française, c'est l'acception. C'est la première acception, c'est l'acception la plus générale. Alors, qu'est-ce que vous trouvez? Donc, c'est toujours ce rapport de ressemblance, d'identité partielle. Bon, d'identité partielle parce que toujours, évidemment, vous ne pouvez pas faire, lorsque vous parlez de l'analogie, ce n'est pas des ressemblances parfaites. Donc, il y a toujours quelque chose qui cloche. Donc là, lorsque vous avez ce rapport, cette relation d'identité partielle entre des réalités différentes,
qui sont préalablement soumises à comparaison, donc vous les comparez toujours, donc vous avez toujours, donc l'analogie est basée sur la comparaison, donc, et sur la ressemblance qui est établie. Donc là, c'est la définition très très générale. Ensuite, le trésor donne ensuite des définitions qui s'appliquent à chaque domaine, donc au domaine, c'est pas de la philosophie, au domaine de la linguistique, etc. Alors, ce qui est très intéressant, c'est, en effet, on va pas revenir, en fait, on va reprendre quelques définitions des dictionnaires, parce qu'on est tous comme linguistes, on souffre un petit peu de ce de cette maladie, bon, qu'on pourrait appeler dictionnairite, dictionnairite aiguë en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on se réfère toujours au dictionnaire. Alors, ce qu'on peut dire, c'est effectivement, alors là, on va revenir vers cette définition-là. Alors, ce que vous avez là, ce que vous avez là, effectivement, c'est ressemblance, c'est similitude, c'est comparaison, repose sur ce qu'on pourrait appeler, par une définition assez générale, en fait, par un concept assez général, qu'il s'agit d'analogie perceptuelle. Donc, analogie perceptuelle qui repose sur les relations proportionnelles. Donc, vous avez, c'est un concept classique, un concept qui est hérité des mathématiques, donc, que vous avez le principe de la quatrième proportionnelle, c'est-à-dire que vous réfléchissez comment, si vous avez deux, par exemple, si vous avez deux éléments, alors vous pouvez reconstituer avec un troisième et avec un quatrième élément une analogie. Et ça, par exemple, commence assez tôt. Donc, on a fait des recherches, évidemment, en psycholinguistique. Et par exemple, les enfants, déjà, dès l'âge de 4 ans, de 5 ans, ces enfants sont absolument capables, effectivement, de faire ce genre d'analogie. Donc, si vous avez, par exemple, oiseau qui font un nid, lorsque vous avez un chien, alors là, qu'est-ce que vous avez là? Donc, évidemment, c'est pas un nid, c'est pas une étable comme pour les vaches, mais donc là, vous avez une niche, disons. Donc là, c'est un exemple très banal, franchement, un exemple très général, peut-être trop, donc qui démontre ce que c'est que l'analogie. Donc, c'est-à-dire que vous, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous établissez, vous dressez l'analogie entre quatre termes. Donc il y a toujours deux termes qui sont en relation quelconque finalement, ça peut être une relation, ici c'est une relation qui est conceptuelle, c'est même pas une relation sémantique à proprement parler. Mais ça pourrait être aussi des relations phonologiques, ça pourrait être aussi des relations syntaxiques ou autres. Donc là c'est une définition vraiment très très générale. Alors, si par exemple, si nous prenons l'exemple, je vois que vous connaissez bien, c'est l'analogie sémantique, par exemple, si nous prenons l'exemple de la métaphore conceptuelle. Je crois que la métaphore conceptuelle, ça vous dit quelque chose de Lake of Johnson, je crois, bon, c'est quelque chose qui est très connu, c'est-à-dire que vous prenez un domaine, et puis vous projetez des éléments de ce premier domaine sur un autre domaine. Donc c'est un peu la définition qui est dit là. Donc là, si vous voulez, la métaphore telle qu'elle est définie par Lakoff et son école, donc c'est pas uniquement un ornement poétique. C'est un mécanisme cognitif. Donc c'est quelque chose qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'approfondir nos connaissances en quelque sorte. Alors là, donc ce que vous faites, c'est par exemple, vous avez quelques exemples des métaphores conceptuelles, comme par exemple. Souvent, lorsque nous réfléchissons sur le temps, là, on réfléchit en termes d'espace.
en termes spatiaux. Alors, qu'est-ce qui se fait là, par exemple, si vous avez un exemple comme ça, il rappelle que le temps a été long pour arriver à une telle situation en Europe. Là, vous avez quoi? Le temps a été long. Long. Le temps ne peut pas être long, franchement. Si vous faites... Le temps, c'est le temps, finalement. Alors, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous projetez l'espace. Donc, vous faites une projection spatiale. Donc, vous prenez une perspective qui est spatiale. A été long pour arriver à une telle situation en Europe. Et là aussi, là vous avez aussi une métaphore, aussi souvent, en fait, qu'on peut aussi, en fait, qui peut aussi passer pour une métaphore, que là, vous avez le verbe arriver. Donc, vous êtes arrivé à une telle situation, ou si là, franchement, c'est le verbe arriver qui est là employé de façon métaphorique. Donc là, vous avez aussi un verbe de sens spatial qui est employé dans un sens plus abstrait. Donc qu'est-ce que vous avez? Donc là, vous avez la projection d'un domaine à un autre domaine. Donc vous avez les projections de deux domaines. Ou si, par exemple, là, un exemple plus concret, souvent cité lorsque vous avez... lorsque vous parlez de la métaphore conceptuelle, c'est le fait que vous avez, comment vous conceptualisez l'argumentation? Comment vous parlez, d'abord, de l'argumentation? En termes de guerre, souvent, pas toujours. Alors si maintenant, si vous suivez un petit peu les débats sur les gilets jaunes, c'est très clair, bon là c'est vraiment, ce sont des termes de guerre qui sont employés. Mais déjà, dans une approche plus traditionnelle, vous avez des cas comme par exemple, ils ont attaqué sa position indéfendable. Bon ça, c'est un exemple assez scolaire. Donc là, qu'est-ce que vous avez? Donc évidemment, personne n'a attaqué personne. Il s'agit d'un débat, d'une discussion. Et là vous avez quoi? Vous avez attaqué... indéfendable. Donc vous avez deux éléments qui relèvent pas du domaine d'argumentation, mais carrément qui relèvent du domaine de la guerre. Ou si vous avez, elle a reculé sur ses... je sais pas qu'est-ce que j'ai mis là. Sur tous ces points, oui, là. Il y a une faute de frappe, oui. Donc, sur tous ces points. Alors, elle a reculé sur tous ces points. Alors, aussi, là, vous avez quelqu'un recule sur quelque chose, évidemment. C'est comme l'armée qui recule lorsqu'elle se défend. Alors là, je vous donne ces exemples-là pour vous montrer effectivement que l'analogie est vraiment présente un peu partout. Alors, maintenant, ce qui, pour revenir vers plutôt... vers les approches un peu plus linguistiques. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque vous cherchez dans les dictionnaires, lorsque vous fouillez les dictionnaires, c'est ce qui est passionnant parfois, c'est que par exemple, vous trouvez, et là j'ai pris la première édition du dictionnaire de l'Académie française. Alors déjà, dans la définition, Et c'est l'intégralité de la définition que je donne ici. Alors, l'analogie, évidemment, est d'abord définie d'abord de façon un peu plus générale. Vous avez terme dogmatique, évidemment. Il faut commencer par cela. On est au XVIIe siècle. Vous avez rapport de... Vous avez, donc, c'est un rapport, c'est la ressemblance, c'est la conformité, c'est la proportion d'une chose à une autre. C'est ce qu'on a vu. Donc là, ce sont des éléments généraux. Donc là, vous pouvez dire que, par exemple, la partie basse de la montagne s'appelle pied par analogie au pied de l'homme. Là, déjà, par exemple, vous avez un élément qui, déjà, réfère à la langue. Donc, réfère à la métaphore. Donc, vous avez la métaphore, on dit, au pied de la montagne se trouve quelque chose. Alors, pourquoi le pied de la montagne? Donc, c'est vous. Donc, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une projection d'un domaine, donc du domaine du corps humain, à un autre domaine
donc qui est le domaine du relief tout à fait géographique. Alors là, bah, qu'est-ce qui se fait encore? Donc vous avez, et puis c'est même défini, vous avez analogie géométrique et analogie grammaticale. Et là déjà, au XVIIe siècle, donc la première édition, déjà donne par exemple, au fait, donne une vision assez analogique de la morphologie. Par exemple, là, vous avez le cas, le mot ambitionné est formé par analogie d'ambition, comme passionné est formé de passion. Donc là, vous avez parfaitement cette partie de l'article fait exactement, fait réfère absolument donc à la morphologie. Aussi, ça se retrouve aussi, par exemple, là, lorsque le dictionnaire s'est enrichi, par exemple, là, vous avez la quatrième édition. Donc, la quatrième édition datant de 1762, par exemple, là, vous avez d'abord une première partie qui est consacrée à la définition du concept d'analogie en général. Et là, vous avez par contre aussi une acception qui est propre à la linguistique. Donc, et là, ce qui est très intéressant, aussi que vous avez à peu près la même chose, en fait, vous avez à peu près la même démarche que déjà dans la première édition. Vous avez, il se dit aussi en termes de grammaire pour marquer le rapport que divers mots d'une langue ont ensemble pour leur formation. Formation, donc ça réfère carrément à la morphologie. Et vous avez le mot passionné est formé de passion par la même analogie qu'affectionné d'affection. Donc là, vous pouvez voir vraiment que c'est très ancré, que l'analogie est un procédé qui n'est pas réservé uniquement à la sémantique, uniquement aux sciences cognitives finalement, mais c'est vraiment c'est quelque chose qui est ancré évidemment dans le dans la morphologie. Aussi, par exemple, la neuvième édition, donc c'est la dernière édition qui toujours n'est pas finie, en fait n'est pas terminée. Là, vous avez même une définition plus vaste, comme par exemple, là c'est même marqué par une marque, donc c'est linguistique, donc c'est carrément, c'est le domaine de la linguistique. Donc vous avez action assimilatrice qui exerce certaines formes, certains mots, les uns sur les autres, et qui aboutit à la création de formes nouvelles, de mots nouveaux à partir de formes de mots existants. Par analogie avec gros, le latin crassum a donné gras. Le futur d'envoyer s'est formé par analogie avec le futur de voir. Donc là, vous avez même des exemples, en fait, vous avez pratiquement tout un exposé sur la morphologie historique. Donc, ou analogie d'attribution, possibilité pour une seule épithète de s'appliquer métaphoriquement à divers noms. Là, en fait, on sort du domaine de la morphologie pour entrer plutôt dans le domaine de la syntaxe. Et là, vous avez par analogie l'adjectif vert peut qualifier un parfum, l'âge, un langage. Donc là, vous avez les métaphores. Donc. Bon, franchement, mais. Là, je me suis un peu interrogé. En fait, je me suis posé quelques questions. En fait, un parfum vert. Bon, en fait, pour l'âge vert, ok, ça va. Donc, si quelqu'un est encore vert, un vieillard encore vert, ça va. Mais un parfum vert. Je me suis demandé, est-ce que vous avez, en fait, c'est pas dans ma tête, c'est une analogie qui ne passe pas, franchement. Vous pouvez dire d'une personne que c'est bon, c'est un vieillard encore vert, ok, ça va. Mais pour dire d'un parfum ou d'une odeur encore verte. Oui, ça se dit, hein. Ça correspond à des,
à des parfums de feuilles fraîches, de tiges Ah oui, vertes. c'est un peu ça, oui, parce que je n'avais pas dans la tête, je ne trouvais pas vraiment d'analogie, vraiment, en fait, je ne suis pas des représentations, en fait, comment ça marche, voilà. Enfin, voilà, je trouve là comme ça en Oui, cherchant sur oui, Internet ce qu'on appelle une note verte en ah parfumerie. voilà, note verte en parfumerie, ah Note voilà. verte. Donc ça renvoie là effectivement à la couleur des choses qui ont Oui, parfum. qui ont ce parfum-là. Non, non, je fais absolument confiance au dictionnaire, donc je me suis juste dit que. Alors pourquoi, en fait, je ne me suis pas vraiment comme ça imaginé, en fait, quel pourrait être cet aspect-là. Alors, juste, en fait, l'analogie en linguistique, on va passer. Je vais comme ça donner quelques exemples, évidemment. Lorsqu'on parle en sciences humaines, il faut toujours remonter à l'Antiquité. Nous, on ne va pas quand même remonter jusqu'au grec. Donc, on va commencer avec les Romains quand même. Donc là, alors ce qui était vrai, c'est que déjà Varron, donc déjà donc assez tôt, il a parlé de l'analogie. Donc le mot analogie, évidemment, est un nom d'origine grecque aussi, ça il faut le dire. Mais donc là, il a parlé, c'est vrai que ses écrits ne sont pas nombreux, mais ce qu'il a fait, par exemple, il a décrit l'analogie comme le procédé grammatical central. Donc pour lui, c'est quelque chose qui est absolument central. Et aussi, dans une autre tradition, c'est-à-dire que les grammairiens arabes ont appliqué, et là, c'est un concept, donc c'est qiyas, je ne sais pas s'il y a des arabisants ici qui savent sans doute mieux prononcer, c'est kiyas, c'est kiyas, merci. Donc, c'est un raisonnement par analogie. En fait, c'est un concept, d'abord, qui faisait partie, vous n'avez pas, oui. Bon, je ne sais pas, est-ce que l'orthographe, en fait, là, la transcription est bon C'est un concept de, excusez-moi, de généralisation. Oui, de généralisation, oui. Donc là, vous avez donc un raisonnement comme ça, en fait, par analogie, en quelque sorte. Bon, là, évidemment, là, je prêche, en quelque sorte, en fait, je fais mon cas, mais c'est vrai que c'est un raisonnement qui repose sur les analogies. Donc vous généralisez, vous prenez un élément et puis vous ensuite vous généralisez ce que vous avez vu analyser sur d'autres domaines. Alors là, c'est quelque chose qui évidemment n'est pas tout à fait, en fait, à l'origine, ce n'est pas un concept linguistique. C'est un concept qui vient du droit. Donc, le droit, donc lorsque on a extrapolé, en fait, parce que, évidemment, le Coran n'avait pas les réponses à toutes les questions. Donc, ce qu'on a fait, on a fait une réflexion par analogie à partir de ce qui se trouve dans des textes, en fait, dans le Coran et d'autres textes sacré, mais ça ensuite a été. En fait, le concept s'est ensuite employé aussi en linguistique. Donc là, on peut voir effectivement que c'est quelque chose, et là, je vais revenir, je vais le mentionner assez brièvement, c'est un concept qui est relativement universel. Donc là, je prends deux exemples, mais on pourrait prendre d'autres. Alors, ce qui se fait, par contre, et là où on voit que ce concept d'analogie est très productif en morphologie, c'est par exemple dans les textes de Priscien de Césarée. Donc là, ce sont ces institutiones grammaticae, donc qui datent essentiellement du 6e siècle. Fin 15e, peut-être, non, fin 15e, fin 5e siècle. Alors, c'est vrai que ces textes ont été un peu oubliés pendant l'histoire, en quelque sorte, en fait, pendant l'évolution
de la linguistique, on les a découverts, à mon avis, on les a découverts dans les années 70. C'est Matthews qui l'a fait, effectivement. Et donc, qui a beaucoup travaillé, notamment sur le concept, exactement, en fait, d'analogie. Donc, Matthews était, on ne peut pas dire opposé, mais en quelque sorte, il voulait se démarquer de l'approche structuraliste qui était à l'époque dominante, de l'approche générativiste aussi, et donc pour faire autre chose. Alors, ce qu'il voulait faire, donc il a proposé peut-être un terme peut-être que je traduis comme déduction prissienne, donc c'est la traduction de l'anglais, qui pose les bases d'un modèle prédictif. Donc, le modèle prédictif, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que ce n'est pas un modèle uniquement qui est là pour décrire l'existence, pour décrire les formes, mais aussi qui devrait permettre de générer, de forger ces formes-là. Donc de les prévoir, en quelque sorte. Alors, si vous avez donc là, ce qu'il a pris, par exemple, comme un des exemples, par exemple, dans ce modèle qui est prédictif, si vous prenez un exemple tiré du latin, c'est-à-dire, comme vous savez, le latin connaît un système flexionnel extrêmement complexe. Au niveau nominal, au niveau verbal, vous avez plusieurs paradigmes. Et donc, c'est pas. Je crois que vous avez tous appris un peu de latin, si je ne m'abuse. C'était bon. C'était des expériences plus ou moins mauvaises, je sais, je connais un petit peu. Mais bon, c'est vrai que c'est un système extrêmement complexe. Et donc, avec pas mal de paradigmes qui s'enchevêtrent, qui se basculent, qui. Donc là. Alors, donc, ce qu'il a dit, c'est-à-dire que, en quelque sorte, depuis cette déduction, et là, c'est en quelque sorte à la base des approches contemporaines de l'analogie. Donc, c'est pour ça que je le cite ici. Donc, on a remonté jusqu'à l'Antiquité pour dire tout bêtement que cette déduction est à la base, souvent, des approches morphologiques contemporaine. Alors pourquoi ? Parce que lorsque vous avez les formes d'un paradigme qui sont d'un paradigme morphologique, alors ces formes peuvent être dérivées soit d'une forme unique, donc si vous prenez une seule forme, vous pouvez en forger, en fait à partir de cette forme-là, vous pouvez forger en théorie toutes les autres formes. Ou, par exemple, si vous formez des formes qu'on peut appeler principales. En anglais, ça s'appelle « principal parts ». Ceux qui connaissent un peu mieux, ce sont les parties principales. Bon, mais bon, on ne peut pas dire les parties principales en français. Donc là, vous avez des... Bon, j'ai... Faites, il y a peut-être d'autres propositions, vous avez des formes principales, vous pouvez parler même des formes de base, vous pouvez parler même d'autres, vous pouvez même employer d'autres termes, mais grosso modo, c'est-à-dire que vous avez quelques mots, quelques formes qui vous permettent de déduire, de former toutes les autres formes. Donc c'était un peu son idée. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Par exemple, alors, ce que vous avez eu, là vous avez un exemple comment Priscien a expliqué cela. Alors, il a dit que par exemple, pour l'imparfait passé, comment le déduire ? Donc vous avez le présent, donc vous le faites à partir de la forme du présent, et plus particulièrement de la deuxième personne du singulier, pour les conjugaisons 1 et 2.
Ensuite, deuxième étape, vous supprimez la terminaison « s » et vous ajoutez la terminaison « basse » qui est une suite qui va s'aligner sur l'ordre, en fait, sur l'ordre normal, en quelque sorte, des terminaisons en latin. Et donc, vous allez avoir « bam ». Donc, « basse », « bam ». Donc, vous avez, par exemple, vous avez « amare »,« amo », »,« amas », »,« ama », »,« amabam ». Par exemple, donc là, c'est un exemple classique, comment l'analogie a été expliquée déjà au 6e siècle. Ou, par exemple, le deuxième, là il ajoute ensuite la deuxième partie de cette règle-là, que pour, par exemple, que pour les conjugaisons 3 et 4, donc, là, vous avez l'imparfait passé. En fait, de même, en fait, vous composez l'imparfait passé à partir du présent, mais cette fois, à partir de la première personne du singulier. Et donc, ce qui se fait, c'est que la terminaison O change. Est-ce que vous obtenez, vous avez un E qui est long. C'est pour ça que vous avez l'ego, donc lorsque vous lisez, c'est legebam. Legebam, bon. Il faut le lire comme ça, c'est bon. Ou vous avez venio, veniebam. Bon. Donc là, ce que vous avez là, vous avez l'exemple parfait de ce qu'on peut appeler les déductions analogiques. Comment l'analogie marche? Parce qu'il n'explique pas pourquoi telle ou telle partie du mot est changée, mais il explique tout simplement le mécanisme. Donc là, par exemple, à la différence de ceux qui sommes formés à l'école structuraliste, qui pensons toujours en termes de morphèmes, etc., c'est un peu bizarre. Parce que là, il n'explique pas qu'il s'agit des morphèmes, il dit tout simplement que tel et tel verbe de tel et tel groupe, pour tel et tel paradigme, perd tel et tel son, et le remplace par tel et tel autre son. Si je vais trop vite, si je ne donne pas assez d'exemples, vous m'arrêtez? C'est bon? Ok, donc, et puis... ce qui s'est fait, c'est que, quand même, pour la morphologie, l'étape très importante a été effectivement la deuxième partie du 19e siècle, quand même. Donc là, on laisse de côté le Moyen-Âge. On va y revenir un tout petit peu, mais bon, pas trop. Mais là, la deuxième moitié du 19e siècle, début du 20e siècle, était très important. C'est vrai, je vois que vous avez entendu parler de l'école des néo-grammairiens. Donc les néo-grammairiens, c'est l'école essentiellement, donc c'est la ville de Leipzig en Allemagne, qui était en quelque sorte le siège principal de cette école, qui était très influente, notamment dans le domaine de la grammaire historique et diachronique pour, peut-être, ça il faut l'avouer, peut-être plus pour les langues germaniques et les langues slaves que pour les langues romanes. Ça il faut l'admettre quand même, mais donc c'est pas que les langues romanes soient... en fait, les langues romanes aussi sont présentes. Là, je donne quelques noms. Hermann Paul, August Leskin, donc qui sont des deux. Et puis je fais quand même un petit hommage à un Slovène, un pauvre Slovène, c'est Fran Ramos, puisque bon, il faisait aussi partie un peu de cette tradition-là. Donc je le cite comme ça, mais bon, c'est vrai que bon, il est relativement, en fait, il est un peu connu, mais bon, pas trop connu. C'est vrai que bon, il y a d'autres slavisants qui sont plus connus que lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que là, par exemple, là je simplifie, mais grosso modo, là, vous avez pour les néo-grammairiens, il y a deux tendances. Il y a d'un côté
les règles essentiellement phonétiques, les règles diachroniques, donc qui produisent des formes. Ensuite, vous avez en quelque sorte une force qui en fait, une force correctrice, en fait, qui corrige un petit peu les défauts de ces changements. Parce que les changements phonétiques sont des changements qui sont basés sur des lois, mais le problème, c'est que ces lois vont parfois un peu trop loin. Et donc la langue, en fait, l'esprit humain a parfois des difficultés à revoir, à mémoriser, à gérer toutes ces données. Donc, grosso modo, donc, vous avez ça. Donc, vous avez d'un côté les lois qui sont régulières, et d'autre côté, vous avez, ce qui est un peu paradoxal quand même, vous avez l'analogie qui corrige les défauts de ces règles et qui, en quelque sorte, régularise donc les formes issues des lois phonétiques. Alors, pour prendre quelques exemples, par exemple, si vous avez là, je crois que vous avez sans doute appris, par exemple, que là, lorsque c'est une loi phonétique, en fait, une des lois phonétiques de base, que lorsque vous avez un A accentué qui change en E. Donc c'est que vous avez clarté, donc qui dans, c'est pour ça que vous avez clarté et clair. Franchement, du point de vue des lois phonétiques, c'est tout à fait régulier. Mais du point de vue, en quelque sorte, morphologique, c'est pas net, parce que c'est pas analogique. Pourquoi? Vous avez clair qui effectivement appartient, en fait, partage le noyau sémantique du nom clarté. Pourquoi les deux n'ont pas la même voyelle? Alors, et qu'est-ce qui s'est fait, par exemple, là? Ici, par exemple, là, l'analogie n'a pas joué. Parce qu'on devrait avoir clarté, si vous voulez, ou... Donc c'est... En fait, oui, pour corriger, ce devrait être clarté. En fait, oui, clarté, franchement. Alors là, ce qui s'est passé, par contre, pour le verbe aimer. Alors, j'ai choisi ce verbe un peu exprès pour... Donc là, donc jusqu'au 15e siècle, effectivement, il avait en concurrence. Il avait encore, donc l'usage ne s'est pas, n'a pas encore été arrêté. Donc il y avait deux formes. C'était la base AM et la base M. AM et M. Évidemment, lorsque c'était une voyelle non accentuée, ça devrait être nous amons. Par contre, lorsque, évidemment, c'était une voyelle A accentuée, donc vous avez M. Mais qu'est-ce qui s'est fait après? Donc, à partir du 15e siècle, ce qui s'est fait, c'est qu'on a généralisé l'analogie des formes. Et donc, c'est pour ça que vous avez j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, il a aimé, etc. Il faut que nous aimions, il faut qu'il aime, etc. Donc là, vous savez ça. Sinon, avant, ce serait exactement le cas ici de clarté et clair. Donc là, c'est pour vous dire que là, c'est d'un côté, ce sont les règles phonétiques qui sont en jeu, et de l'autre côté, vous avez le résultat de l'analogie qui joue sur le plan essentiellement morphologique. Et aussi, là, vous pouvez voir aussi au niveau lexical. Par exemple, là vous avez deux verbes qui jusqu'au 14e siècle, bon là, n'étaient pas très très clairs, c'était un peu negare, necare. Donc dans un premier sens c'est nier, et dans l'autre sens c'est tuer.
Donc, ce qui a donné en français actuel noyer. Donc, le sens est spécialisé. Alors, qu'est-ce qui s'est fait là? Alors, si vous avez la concurrence jusqu'au XIVe siècle de ces deux formes-là, ce qui s'est fait là, c'est que par une sorte d'attraction analogique, par le fait que les deux formes coexistaient avec des sens radicalement différents, alors qu'est-ce qui s'est fait? C'est que, par exemple, une des formes a disparu. Et donc c'est pour ça que vous avez maintenant nié et noyé. Même si étymologiquement, on aurait pu avoir effectivement aussi un cas d'homonymie. Donc ce serait nous noyer, par exemple, noyer pour nier quelque chose, ou nier, bon, en fait... Ok, donc, alors, si on revient maintenant vers Ferdinand de Saussure. Alors là, vous avez quelques citations, soit que vous connaissez bien, donc le cours de linguistique générale, donc de Ferdinand de Saussure. Là, on peut voir, en fait, il faut dire, là, je l'ai un peu étudié ces derniers temps, puisque j'ai collaboré à une nouvelle traduction du cours en Slovène. Et donc, il faut dire que c'est peut-être une figure assez curieuse. Bon, je ne sais pas si vous le connaissez, mais quand même, en fait, ce qu'il est vrai, c'est que d'un côté, il restait très ancré dans la tradition néo-grammairienne, et de l'autre côté, évidemment, il a déjà posé des bases de la linguistique contemporaine, mais il faut ne pas oublier que quand même le cours n'a pas été rédigé par lui-même, mais donc par ses élèves. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, je vous donne quelques citations. En fait, là, vous pouvez voir effectivement qu'il travaille vraiment sur les bases des néo-grammairiens, en quelque sorte. Parce que là, vous avez, il s'interroge, par exemple, là, vous avez un chapitre qui est consacré presque intégralement à l'analogie. Là, vous avez, mais quelle est la nature des phénomènes analogiques? Sont-ils, comme on le croit communément, des changements? Là, le problème, c'est que là, déjà dans la question, il dit effectivement qu'il ne juge pas les résultats de l'analogie comme de vrais changements. Donc là, il est réticent, assez réticent. Et là, ce qu'il dit, par exemple, là, vous avez tout un scénario, une intrigue. Tout fait analogique est un drame à trois personnages. En fait, qui sont le type transmis, légitime, héréditaire, le concurrent, un personnage collectif constitué par les formes qui ont créé ce concurrent. Et donc là, vous avez des exemples. Par exemple, là, il explique un peu, là, je ne vais pas rentrer en détail de ces exemples, ce n'est pas si important que ça. Alors, ce qui est important, c'est là. On considère volontiers Honor comme une modification, une métaplasme, donc un changement de Honos. C'est de ce dernier mot qu'il aurait tiré la plus grande partie de sa substance. Or, la seule forme qui ne soit rien dans la génération de Honor, c'est précisément Honos. Donc là, ce qu'il met, en fait, là, il nie effectivement qu'il s'agit de vrais changements. Et là, vous allez voir que c'est pas encore terminé. En fait, deux pages, ou une page plus loin, oui, une page plus loin, par exemple, là, il prend l'exemple de l'allemand. C'est pas, je crois que vous parlez un petit peu, mais vous allez voir. Donc, l'allemand moderne dit « ich war, wir waren », tandis que l'ancien allemand, jusqu'au XVIe siècle, conjuguait « ich was, wir waren ». Et en anglais, vous avez encore « I was, we were ». Donc, vous avez encore les restes de cela. C'est que quelques personnes, et là c'est très intéressant, c'est que quelques personnes influencées par Waren ont créé Var par analogie. Là, il le dit clairement, donc c'est sa citation. C'était un fait de parole
Cette forme, souvent répétée et acceptée par la communauté, est devenue un fait de langue. Donc là, vous pouvez voir quoi? Donc l'analogie, en quelque sorte, il lit l'analogie ici, au moins dans cette citation, à la parole, pas à la langue. Sans doute vous connaissez cette dichotomie très connue entre langue et parole, qui est très difficile à analyser chez Saussure et chez les autres, qui en plus pose énormément de problèmes lorsqu'on veut traduire cette dichotomie en d'autres langues. Mais c'est un peu ça. Mais là, vous avez ça. Donc là, vous pouvez voir que l'analogie est liée à la parole, pas à la langue. Ce n'est qu'après la répétition, après que la communauté linguistique accepte cela, que ça se révèle. Il donne aussi, par exemple, je crois sur la même page, si je ne me change, j'ai pas noté, je ne sais pas pourquoi j'ai pas noté la page, mais là, il se pose aussi la question, par exemple, création et changement. Là, il dit que, par exemple, là, il prend, si vous vous rappelez, ce procédé de la quatrième, donc proportionnelle. Alors, ce qui se fait là, par exemple, il prend que, par exemple, comme vous avez réaction contre réactionnaire, vous pouvez aussi forger, ce qui à l'époque apparemment n'était pas le cas, répression répressionnaire. Et donc là, ce qu'il dit, effectivement, c'est tout simplement, mais là, il remet en question. Il dit que ce n'est pas un vrai changement. C'est tout simplement le fait de l'analogie. Ce n'est pas quelque chose qui existe vraiment, en fait, qui est établi par des règles. En fait, lorsque je parle de lui, en fait, lorsque je dis il a écrit, il a dit, ce n'est pas forcément lui qui l'a fait, comme j'ai déjà dit. Donc, le texte a été écrit par ses élèves. Donc, c'est pas lui-même qui a écrit le texte. Donc, ça pose un peu problème, mais quand même, bon. Donc là, il donne cela. Alors, et puis, ce qu'il dit aussi, c'est quelques lignes. Bon, là, je fais juste un choix des citations. Ce qui est très intéressant et ce qui rejoint ce qui est aujourd'hui, en quelque sorte, le modèle, en fait, l'approche assez dominante, c'est effectivement qu'il lit l'analogie au domaine de psychologie. Donc il le fait déjà lui-même. Donc il dit que l'analogie est d'ordre psychologique, mais ça ne suffit pas à la distinguer des phénomènes phonétiques, puisque ceux-ci peuvent être aussi considérés comme tels. Alors, là, ce qu'il fait là, c'est là on voit qu'il est quand même, il est fidèle un petit peu à la tradition des néo-grammairiens. Donc vous avez d'un côté des lois phonétiques et de l'autre côté l'analogie. Mais quand même, il fait un pas en avant et il dit il faut aller plus loin et dire que l'analogie est d'ordre grammatical. Elle suppose la conscience et la compréhension d'un rapport unissant les formes entre elles. Tandis que l'idée n'est rien dans le phénomène phonétique, son intervention est nécessaire en matière d'analogie. Alors, qu'est-ce que vous avez là? Donc là, vous avez le fait que, donc là, vous avez, il joue que l'analogie repose aussi sur le lien entre le signifiant et le signifié. Donc les lois phonétiques, ce sont des lois qui n'ont rien à voir avec le sens, avec la signification, avec le signifié. Mais de l'autre côté, vous avez le signifiant. En fait, vous avez le signifié. Et donc là, qui est basé. Et donc le signe, qui pour Saussure, est composé de ces deux parties. Donc d'un signifiant, d'un signifié, d'une forme et d'un contenu, si vous voulez, ou d'une forme et d'une signification ou d'un sens. Bon, ça dépend de ce que vous voulez dire. Donc là, mais là, vous pouvez déjà voir que là, c'est donc l'analogie était très présente pour Saussure.
Aussi, bon, il s'intéressait aussi à d'autres questions, mais là, c'est évidemment ça. Alors, là, ce que vous avez là, par exemple aussi, la dernière citation, et puis je crois, j'espère qu'on va, oui, on va quitter la terre saussurienne quand même. Ce que vous avez là, par exemple, là, une dernière passage, là, il analyse de nouveau. Il prend un exemple, en fait, des changements qui se sont produits au cours de l'évolution de la langue. Donc il dit, dans le passage phonétique de S intervocalique à R en latin, on ne voit intervenir ni la comparaison d'autres formes, ni le sens du mot. Et là, il dit, c'est le cadavre, voilà, c'est fort, c'est le cadavre de la forme. Donc, onosem qui passe à honorem. Au contraire, pour rendre compte de l'apparition de honor en face de onos, il faut faire appel à d'autres formes, comme le montre la formule de la quatrième proportionnelle. Et là, il emploie de nouveau donc, cette quatrième proportionnelle. Il dit donc, vous avez oratorem, morator, honorem, hop, qui donne honor. Donc, ce qu'il dit là, quoi? Donc, que en fait, toutes les règles là, les règles historiques, diachroniques, linguistiques ne peuvent pas expliquer, en fait, sont incapables, ne sont pas aptes à expliquer l'évolution qui s'est produite. Mais c'est effectivement, c'est tout simplement, c'est l'analogie qui a fait l'affaire. Et c'est très intéressant vraiment de trouver ça dans Saussure finalement. Là, il continue donc, cette combinaison n'aurait aucune raison d'être si l'esprit n'associait pas par leur sens les formes qui la composent. Alors là, de nouveau, il faut tenir compte du fait que, donc vous avez deux, en fait que le signe est composé de deux parties, donc vous avez le signifiant, la forme, et vous avez le signifié, le contenu, la signification. Donc il n'oublie pas d'ajouter ça. Ou il n'oublie pas au pluriel d'ajouter ça, non. Alors, pour parler de Bloomfield, je crois que vous avez tous entendu parler, peut-être vous l'avez étudié, il passe pour, je crois, après Chomsky, notamment dans les bases américaines, comme un des linguistes les plus influents. Alors là, ce qu'il dit aussi, c'est par exemple, donc, il est à l'origine de la tradition structuraliste classique, traditionnelle. Donc, dans son ouvrage Language, au fait qu'il a publié dans les années 30, je crois que la première fois ça a été traduit en 80, je crois, en français, si je me rappelle, oui, si je me rappelle bien. Mais là, il évoque aussi l'analogie. Mais franchement, en fait, beaucoup moins que Saussure. Alors, ce qu'il dit, c'est par exemple, il parle aussi d'un fait assez intéressant. Donc, il parle d'un continuum de types d'analogie. Donc, il distingue plusieurs types d'analogie. Et donc, il parle d'un continuum, c'est-à-dire qu'il y a deux extrêmes. C'est d'un côté, vous avez des analogies qui sont tout à fait régulières, et de l'autre côté, vous avez des analogies qui sont irrégulières. Et entre les deux, vous avez un continuum de sous-types, ou des types dérivés. Vous avez par exemple le cas, donc vous avez des analogies qui sont régulières, ce sont celles qui permettent à un locuteur d'énoncer des formes de discours qu'il n'a pas entendues. Donc c'est vraiment cette position prédictive, productive si vous voulez, donc vous voulez vraiment forger de nouveaux modes, de nouveaux moyens d'expression, et de l'autre côté vous avez des analogies qui sont irrégulières et qui peuvent englober un certain nombre de formes, mais un locuteur énoncera rarement une forme nouvelle par analogie avec celle qu'il a entendue. Donc là, vous avez ces deux extrêmes, et entre ces deux extrêmes, vous avez plusieurs sous-types. Donc là,
Ce qui est très important, c'est que quand même, même dans l'approche qui est un appro en fait, qui est une approche, même dans une approche qui est une approche structuraliste, structurale, là, vous avez l'analogie qui est en jeu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après, par exemple? Alors là, là où a commencé, en quelque sorte, en fait, où l'analogie a connu où a passé quelques mauvais moments, en quelque sorte, c'était notamment avec l'approche, avec avec le modèle générativiste. C'est-à-dire que là, franchement, le concept d'analogie est occulté. Si vous prenez l'exemple, par exemple, des écrits de Daniel Corbin, est-ce que le nom de Daniel Corbin vous dit quelque chose? C'est une linguiste qui a en quelque sorte vraiment, pour ne pas dire révolutionné, mais quand même, qui est à l'origine du renouveau des études en morphologie dérivationnelle et constructionnelle en français. Donc malheureusement, elle est morte en 2000, donc assez jeune. Et donc, mais donc, ce qu'elle a fait, c'est vrai. Mais donc, elle est un peu, elle est, en fait, elle a travaillé dans le modèle de en fait, de la morphologie générative. Et donc, ce qui est assez bizarre, c'est que, par exemple, absolument dans ses écrits, peut-être que je me trompe, mais je n'ai trouvé aucune, en fait, aucune mention d'analogie. Donc, le terme d'analogie ne figure nulle part dans ses écrits, dans ses monographies. Donc, si vous en trouvez, si vous en trouvez, alors je serais. Je serais prenant, mais bon, mais je crois que ce n'est pas le cas. Mais bon. Aussi, par exemple, en fait, ce qui était là, ça peut s'expliquer par deux choses, en fait, par deux raisons. C'est par exemple, aussi, c'est Georgette Dalle, qui est aussi une de ses élèves, qui a proposé parfois cela. Alors, pourquoi, par exemple, l'analogie, là, soudainement, qui a été si présente jusqu'à cette période-là, comme ça, en fait, est avancée. Alors, elle dit que, disons, fait, que le point de vue adopté, donc, disons, par les linguistes générativistes, ou d'obéissance générativiste, donc ce n'est pas celui du locuteur qui est inventeur de sa langue, comme disait Bréal, mais c'est celui du linguiste qui est descripteur de la langue. Donc, vous avez le concept d'analogie qui repose sur une formation d'après l'existence. C'est-à-dire que ce n'est pas un modèle, franchement, d'un côté, qui est prédictif, ce qui devrait être le cas, mais bon, ce n'est pas apparemment le cas. Mais en plus, non plus. Ah, donc, c'est un modèle qui est dans le domaine des linguiste. Puis vous avez donc, et puis ce que dit Georgette Dalle, et là je cite aussi, c'est-à-dire que l'approche de que l'analogie est en quelque sorte incompatible avec les règles de la grammaire générative transformationnelle. Donc là, elle dit que profondément, c'est quelque chose qui est différent. Elle dit que par exemple, par le type, pour quelle raison? Par le type de procédures qui sont mises en œuvre. Vous avez des procédures paradigmatiques, syntagmatiques. Il faut dire que l'approche, la linguistique générativiste est basée essentiellement sur l'approche syntagmatique. C'est-à-dire que vous faites quoi? Par exemple, la formation des mots. Normalement, c'est quelque chose qui est basé sur des syntagmes. Si par exemple, vous formez un mot nouveau, si vous forgez un mot nouveau. Alors, révélateur, c'est quelque chose ou quelqu'un qui révèle quelque chose. Admirateur, c'est celui qui admire
Donc là, vous avez derrière, toujours, vous avez effectivement, vous avez des syntagmes qui sont derrière. Et là, du coup, l'analogie, non, l'analogie est fondée sur des rapports paradigmatiques entre les unités, comme nous avons vu. Ça peut être au niveau purement formel, ça peut être au niveau sémantique, ça peut être au niveau à la fois formel et sémantique. Alors, aussi par le fait que souvent, là, donc par le niveau d'intervention, donc c'est-à-dire que souvent, l'analogie est vue comme quelque chose qui est superficiel, qui ne relève pas de la syntaxe, si vous voulez, au fait, des couches profondes de la langue. Et aussi, par exemple, le fait que l'analogie joue essentiellement, en fait, emploi s'applique essentiellement au nom. Non, au mot. Donc, au mot, aux unités lexicales, pas au morphème. Parce que lorsque vous faites des analogies, vous les faites au niveau des mots, au niveau des unités lexicales, pas au niveau des noms. Alors, donc, juste pour résumer, alors, qu'est-ce qu'on a vu? Et je vais revenir brièvement vers deux de ces concepts avec quelques exemples. Donc, en fait, les caractéristiques de l'analogie, au moins en morphologie, ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on a déjà vu pour résumer, c'est l'universalité. Donc on a vu effectivement que ce n'est pas quelque chose qui est propre à une seule langue, donc c'est quelque chose qui dépasse les frontières des langues. Vous pouvez trouver des exemples un peu partout. Donc c'est pas vraiment limité. Alors, ce qui est aussi vrai, et ce qui lui a joué de mauvais tours, effectivement, c'est le fait que vous avez la créativité qui est en jeu lorsque vous avez l'analogie. Et aussi, l'analogie est souvent liée à l'imprédictibilité. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, pour un linguiste, pour les linguistes en général, c'est quelque chose qui passe pour un défaut. Tout ce qui est imprédictible n'est pas bon, évidemment. Donc vous avez ce qui n'est pas prédictible, donc c'est quelque chose qu'il faut écarter, qu'il faut corriger. Donc c'est normalement ça. Donc c'est pour ça que, par exemple, on a aussi, je crois, c'est une des raisons pourquoi on a évité ce terme. En fait, on a évité l'emploi de ce concept pendant quelques décennies de l'évolution en linguistique. Alors. Juste, donc, si je dis que par exemple, en fait, l'universalité ne fait pas de doute, je ne vais pas donner d'exemple, vous pouvez trouver des exemples d'analogies dans toutes les langues. Alors, on passe, par exemple, à la créativité. Alors, la créativité, c'est souvent en morphologie contemporaine et moderne, notamment dans les modèles, par exemple, de la morphologie naturelle, dans la morphologie aussi de Fradin, par exemple. Alors, aussi dans la morphologie de Daniel Corbin, il faut distinguer la créativité de la productivité. Alors, la productivité, c'est quelque chose qui est lié, si vous voulez, à des règles, à tout ce qui est grammatical. Donc, vous appliquez des règles grammaticales pour dériver, par exemple, d'autres mots, pour forger d'autres mots. Par exemple, vous prenez tel et tel suffixe pour former tel et tel mot. Comme j'ai déjà dit, vous avez admiré, admirateur. Et vous retrouvez ensuite ce « er » aussi dans d'autres noms, peut-être dans d'autres mots. Et donc là, mais ce qui se fait là avec la créativité, c'est quelque chose qui n'est pas sujet aux règles, si vous voulez, mais qui est lié à d'autres mécanismes, souvent. Et là, l'analogie joue franchement un grand rôle.
Par exemple, si vous avez des cas, là je vais prendre quelques exemples à quoi je pense. Par exemple, si vous prenez deux mots comme clavardage, alors ça, c'est un mot québécois. On sait pas qui, je vois qu'ils ne sont pas, je sais pas, est-ce que vous l'employez, je crois pas. Vous employez chat. Donc, oui, donc là, mais là, vous avez un mot. Donc, comme vous savez, les Québécois, sont de grands défenseurs de la langue française. Et donc là, ils ont proposé, par exemple, un mot qui est clavardage. Alors, qui est basé sur deux éléments, clavier et bavardage. Alors, pourquoi? Ça s'appelle un mot valise, si vous voulez. Je crois que vous connaissez le terme de mot valise. Vous avez des policiers, etc. Bon, ce sont comme ça des mots. Alors là, qu'est-ce qui s'est fait? Pourquoi c'est irrégulier? Parce que c'est pas basé sur les morphèmes. Donc vous prenez une partie d'un mot et l'autre partie, en fait, et une autre partie de l'autre mot. Et vous les compactez ensemble. Et vous les mettez ensemble. Là, franchement, ce ne sont pas les règles morphologiques qui président à cela. Vous avez quelques règles qui sont d'ordre morphophonologique ou tout à fait phonétique qui jouent le rôle, mais franchement, c'est pas la morphologie qui joue un rôle. Un rôle important au moins. Donc à la différence de admirer, admirateur, où vous avez quand même un suffixe, un morphème très clair, une base, etc. Et puis des règles, même s'il s'agit de l'allomorphie, vous pouvez évidemment faire tout ça. Ou vous avez par exemple tapuscrit, donc taper et manuscrit. Aujourd'hui évidemment, les manuscrits se font rares, en fait, on travaille tous à la machine, plus ou moins, donc c'est pour ça que vous avez aussi ce genre de mots. Et vous avez quelques cas, comme par exemple, en fait, ce que Fradin a baptisé la composition cachée, qui relève aussi de la créativité. Parce que lorsque vous prenez, par exemple, didacticiel, qui est dérivé de logiciel, franchement, ciel, c'est logique matérielle, mais ciel absolument ne veut rien dire. En fait, c'est pas un morphème. Vous ne pouvez pas donner, en fait, au moins à l'origine, à ciel, une signification nette. Ça peut ensuite se faire après. Ou par exemple, où vous avez la suffixation, ce qu'il appelle la suffixation sécrétive, comme par exemple, il y a eu une époque, je crois que vous êtes trop jeune pour la majorité de vous pour parler de la perestroïka. C'est sous Gorbatchev, en Union soviétique, vers la fin des années 80, où il y avait effectivement, ce qu'on pourrait appeler une réorganisation du système communiste, évidemment, et tout ça. Donc c'était la perestroïka. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment, il y avait les mouvements analogues, par exemple aussi ailleurs. Et par exemple, on a parlé même, lorsqu'on a évoqué le régime de Castro, parce que ça a commencé un petit peu, en fait, lorsque le régime a commencé un petit peu à s'adoucir, en quelque sorte, on a parlé de castroïka. Mais franchement, aussi là, perestroïka, oïka, ça ne veut rien dire. C'est quelque chose qui a été, en quelque sorte, remotivé, qui a été fait par analogie. C'est pas un morphème, ni en russe, ni en français. Ou vous avez, par exemple, mongolstroïka, qui se fait en Mongolie. Vous avez médiastroïka, ce qui se fait dans les médias. Ce que j'aime bien, il y a même un groupe, vous savez, Pornostroïka. Vous pouvez avoir même ça. Donc là, je n'entre pas dans les détails. Mais je vous donne juste les exemples, comment ça peut marcher. Mais c'est tout simplement, ça marche sur, en fait, ça fonctionne, c'est basé sur l'analogie, pas sur les règles. Donc c'est pour ça. Donc ça relève de la créativité et pas de la productivité. Ou si, par exemple,
Ce qui s'est fait aussi souvent, et ce qui relève aussi de la créativité, pas de la productivité. En ancien français, vous avez un cas, par exemple, de réanalyse. Donc, il s'agit d'un changement de surface, si vous voulez. Donc, vous réanalysez, vous prenez un élément, comme dans Perestroïka, vous le prenez, mais là, ce que vous faites, vous attribuez un sens, une signification à ce morceau. Alors, ce qui s'est passé, par exemple, c'est que vous avez, en ancien français, le mot giflu qui a disparu, qui a été remplacé par joufflu. Parce que qu'est-ce qui s'est fait? On a réanalysé le mot j en ajoutant jou. Là, vous avez évidemment un élément à la fois au niveau tout à fait formel et au niveau du sens. Parce que lorsque vous êtes joufflu, vous avez des joues comme ça. Bon. Donc là, bon, le verbe gifler est resté, mais bon, là, on passe. Ou par exemple, là, vous avez quelques cas. Ça s'utilise souvent. Ça, par exemple, s'utilise souvent, notamment dans des jeux de mots. Lorsque vous avez des jeux de mots, alors là, cette réanalyse, ce changement de surface, le fait que vous attribuez un sens, une signification à un petit morceau qui n'en a pas. Alors là, donc là, vous avez pas mal d'exemples, comme par exemple dans le canard d'enchaîné, on a parlé, si vous vous rappelez un petit peu du débat, c'était le débat sur les birkinis. Donc il y avait un débat, en fait, est-ce qu'il faut les interdire ou pas, bon, ça a été ça. Et bon, le titre disait « Qu'il est beau le débakini ». Alors comment comprendre cet énoncé? Vous ne faites pas le comprendre à partir, je veux dire, des procédés réguliers, des opérations régulières morphologiques. Ce que vous devez réanalyser, instaurer des analogies. Et donc là, il faut partir de tout cela, parce que vous avez bikini, donc qui a ensuite donné monokini, bon, ce qui est faux, parce que bikini, bi, ça ne veut pas dire deux, mais bon, on a déjà réanalysé ça. Et vous avez aussi burkini ou burkini, je ne sais pas quelle est l'orthographe actuelle, bon, je crois que les deux s'emploient. Vous avez débakini, donc c'était le débat sur. Cela. Ou vous avez le cas, comme par exemple, maintenant, c'est très actuel, vous avez le Brexit. Donc là, vous avez aussi le fait, vous avez après le Brexit, la City craint de n'être plus que Londres d'elle-même. Alors, là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc c'est à la fois. C'est phonétique, c'est Londres, donc c'est la proximité phonétique, et en plus, c'est quand même, c'est aussi le sens, le fait que, ou au moins le niveau conceptuel, parce que Londres, évidemment, et City, et Brexit, ce sont des termes qui sont liés, du point de vue conceptuel. Donc vous avez à la fois donc ce lien-là. Donc là, vous pouvez voir, effectivement, que, mais là, ça relève de la créativité. Aussi, souvent, évidemment, ces mots, ces termes qui sont forgés comme ça ne vont pas rester. Je n'ai plus trouvé le débakini après. Je crois que c'est la seule occurrence que j'ai trouvée. Ou par exemple, aussi Londres d'elle-même. Il y a très peu de possibilités que ça se reproduise. Donc là, vous avez ce qu'on appelle parfois des occurrences uniques, donc vous avez des apax, comme on les appelle parfois, donc des apax. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, des apax? Donc ce sont les mots qui n'apparaissent qu'une seule fois dans un corpus donné. Alors, ce que vous avez aussi, les cas par exemple, c'est un autre cas où l'analogie joue le rôle, en quelque sorte, là par contre pas productif, mais plutôt en quelque sorte, bon, négatif entre guillemets, c'est-à-dire que donc l'analogie peut aussi produire des blocages. Vous avez par exemple quelques cas de blocage lexical. Donc c'est la conséquence du fait que les mots apparaissent dans des paradigmes, c'est-à-dire que vous avez des paradigmes où ces mots apparaissent, vous avez des champs, aussi des mots qui sont liés soit par le sens, soit par leur forme.
Donc là, alors, ce qui se passe parfois, c'est que vous avez un mot qui est morphologiquement bien formé, mais qui ne peut pas se substituer à un autre mot qui fait partie du lexique, bien que cet autre mot soit allomorphique, c'est-à-dire soit irrégulière en quelque sorte. Si vous prenez l'exemple, par exemple, de vol, alors, avant de rentrer dans l'autre, vous avez le mot vol, du verbe voler. Alors là, on aurait pu avoir, puisque vous avez pas mal de mots qui se terminent en âge et ment. Ce sont deux suffixes absolument productifs en français, mais là, vous n'avez pas ni de volage, ni de volement. Vous avez tout simplement le vol. Dans les deux sens, vous avez le vol que vous prenez, et vous avez le vol où on vous pique des choses. Bon, mais là, ce qui se fait, donc, vous n'avez pas de ça. Pourquoi? Parce que c'est bloqué par le fait que il existe déjà, dans le lexique, si vous voulez, dans l'intégralité des mots, un mot qui a déjà pris sa place. Aussi, par exemple, lorsque vous comparez un petit peu pourquoi tel et tel mot de préférence à tel autre mot, pourquoi, par exemple, ça, c'est nous, les étrangers, nous avons souvent des difficultés. En fait, quel suffixe donner, franchement. Pourquoi tel suffixe à la place de l'autre? Alors, si vous avez, par exemple, vous avez profondeur. Alors, profondeur, c'est profondeur. La case est fermée. Et on aurait pu avoir profondité. C'est joli comme nom, non? C'est pas profondité. C'est même, je crois que c'est plus comme ça, avec des i, c'est plus comme profondeur. Bon. Bon, ça c'est le règle. Et puis vous avez l'exemple en fait de Ségolène Royal, si vous vous rappelez, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, je crois déjà. Oui, ça ne nous réjouit pas, c'est plus de 10 ans. Où, par exemple, elle a dit, donc elle a visité la Chine, et donc lors d'un de ses discours, je crois que c'était sur la muraille de Chine, elle a dit effectivement qu'elle admire la bravitude. Et donc, la bravitude des Chinois, ou du peuple chinois, ou de quelque chose comme ça, l'homme où ça a donné ensuite lieu à de pas mal de rigolades et de jeux de mots dans les journaux, en fait, dans les médias. Mais pourquoi pas, franchement? Bon, vous avez bravitude, comme vous avez d'autres mots en ude. Mais bon, parce que le mot est déjà pris. Et donc, OK. Et puis, lorsqu'on parle de l'imprédictibilité et prédictibilité, comme j'ai déjà dit, donc, l'analogie, le problème de l'analogie, c'est le fait que, vraiment, parfois, c'est imprédictible. Donc, si on prend juste, là, je simplifie à l'extrême. Si je simplifie à l'extrême, si vous faites le calcul de la quatrième proportionnelle, qu'est-ce qui arrive? Mais c'est une simplification. Et vous allez voir pourquoi je vais vous donner un petit exemple. Alors, si vous prenez comme par exemple, si vous prenez finir contre venir, si vous vous limitez à la surface, alors vous avez finirait, et bon, là, c'est pas venirait, mais bon, vous avez une autre forme qui est donnée. La même chose, si vous faites, par exemple, si vous prenez finirait, finir et viendrait, vous n'avez pas, par exemple, comme l'infinitif « viendre » mais « venir ». Mais c'est vrai que « viendre » parfois même a été attesté, ce qui est surprenant. Donc, comme infinitif de « venir », ce qui peut nous surprendre, mais quand même. Donc si vous appliquez tout ça, comme ça, de façon assez schématique, donc ça peut revenir à cela. Donc, c'est pour ça que c'est pas prédictible à ce niveau-là. Ou si vous prenez, par exemple, on va faire quand même un peu d'anglais, je crois que vous connaissez tous la langue de Shakespeare. Donc là, vous avez drive, drove, et puis vous avez dive, et vous avez dove. C'est pas dived, par exemple. Ou si vous avez, teach, taught, catch, caught. Donc là, vous avez en concurrence, en quelque sorte, deux éléments, et puis il y a un des éléments qui est choisi. Alors juste pour détendre un petit peu l'atmosphère, parce que je crois que je vous fatigue assez,
On va voir. Est-ce que vous connaissez, donc c'est de, bon, c'est soit de Phipps, soit de Alice Carey, The Lovers. Donc c'est un poème datant du début du 19e siècle. En fait, c'est dans les années dans les années 30, je crois, que, en fait, dans les années 30 du 19e siècle, où ça a été écrit. Donc c'était deux sœurs, effectivement. Je crois que, bon, c'est attribué à une des sœurs, mais bon, on ne sait pas si c'est la bonne sœur, effectivement, qui a eu. Donc là, je ne vous donne que trois strophes. Vous pouvez trouver facilement l'intégralité du poème sur Internet. C'est un poème qui est basé, évidemment, bon, un poème est un texte complexe. C'est un texte assez complexe et donc qui repose sur plusieurs procédés, opérations, moyens. Évidemment, vous avez là le jeu des rimes, vous avez les jeux des parallélismes, mais vous avez aussi le jeu des analogies. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Si vous prenez, par exemple, le premier vers de chaque strophe est régulier, en fait, conjugue régulièrement les verbes. Puisque là, vous avez Sally Salter, she was a young teacher who taught. Then, his heart, when he saw her, kept sinking and sunk. Ça va, je crois. In secret, he wanted to speak and he spoke. Ça va. Donc, les premiers vers, ça va. Mais ça se gâte ensuite. Parce que qu'est-ce que vous avez là? Vous avez un jeu d'analogie, évidemment, en fait, qui prend toutes ses libertés. Il veut dire, and her friend, Charlie Church, he was preacher who taught. Évidemment, bon. Un mot qui n'existe pas, je crois. Bon. Though, his enemies called him a screecher who scrote. And his eyes, meeting hers, began winking and wank, while she, in her turn, kept thinking and thunk. Donc là, vous avez, effectivement, vous avez un jeu absolu, en fait, qui est lié, en fait, qui ne peut pas être expliqué uniquement par l'analogie, mais l'analogie joue un grand rôle. Donc, qui est basé sur le fait que on simplifie les choses. C'est-à-dire que vous n'appliquez que cette analogie un peu superficielle, donc de la quatrième proportionnelle. Alors, qu'est-ce qui se fait? Donc, c'est pour ça que souvent. Donc là, je vous invite à lire ce texte. C'est vraiment, c'est très intéressant, c'est très drôle, effectivement, comme poème. Bon, en plus, là, vous avez de Lovers, donc là, c'est un peu d'ironie et de tout. Ok. Alors, comment remédier, comment pallier tous ces problèmes? C'est-à-dire que normalement, la tradition structuralisme, ça n'a pas beaucoup différé ensuite. De ce qu'ont fait les générativistes, a posé bon, une approche qui était une approche morphémique ou morphématique. Bon, les deux termes sont plats, morphémique, morphématique. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, on a fait toute une série, c'est-à-dire qu'on a décomposé les mots en des unités plus petites. Ça, vous connaissez bien, je crois. Et puis, ce qui a donné lieu à pas mal de problèmes, donc ce qui a posé pas mal de problèmes lorsqu'on les a fait. Par exemple, vous avez des cas comme par exemple, là je prends des exemples latins. Alors déjà si vous prenez le présent des verbes notamment, vous avez six formes en latin. Alors si maintenant vous ajoutez d'autres séries de formes, vous avez plusieurs, en fait, vous avez déjà la distinction entre les formes actives et les formes passives. Donc, vous avez des séries de conjugaisons tout à fait différentes pour chaque série. Si vous vous ajoutez à cela encore les temps et les modes, donc le subjonctif, le perfectif, l'imperfectif, etc., là, vous vous trouvez évidemment avec, oh là là, une bonne série de formes absolument ingérables. Alors, comment un esprit humain peut retenir tellement déjà d'exposants? Parce que vous avez quand même, là vous pouvez voir, vous avez O, C, T, mousse, tis, ant.
Donc lorsque vous avez ça, déjà vous avez pas mal de terminaisons, vous avez pas mal d'exposants qu'il faut retenir. Ensuite, si vous prenez ensuite les autres formes, donc actives, si vous prenez les autres temps, si vous prenez les autres modes, si vous ajoutez d'autres classes flexionnelles, puisque amont, ce n'est qu'une des classes, vous en avez d'autres. Alors là, vraiment, ça devient en quelque sorte ingérable. Et c'est pour ça que cette approche morphématique a été en quelque sorte revue à partir déjà des années, 70 plutôt, dans les années 80, effectivement. Et maintenant, en quelque sorte, cette approche, cette segmentation morphématique ou morphémique, qui est souvent mise en question et remise en question assez constamment. Là, je prends une citation de Michel Rocher qui dit très bien, effectivement, donc morphologie n'est pas morsologie. Donc morsologie, donc ça veut dire quoi? Donc vous coupez les mots comme ici, que vous les coupez en petits éléments. Ça ne marche pas comme ça. En plus, ce qui est vrai que il s'avère, c'est effectivement qu'une description qui est basée, une description linguistique, soit du point de vue psychologique ou même pédagogique, est peu probable, effectivement, peu plausible, peu efficace, lorsque vous vous basez sur la segmentation des unités. Alors imaginez que vraiment vous devez vraiment apprendre, moi je sais pas, c'est peut-être bon, je suis pas le type mais pour faire ça, mais quand même, lorsque vous avez par exemple toute une série de terminaisons, toute une série de radicaux qu'il faut maîtriser, alors c'est assez difficile de le faire de cette façon-là. D'abord, de les segmenter, c'est déjà un défi, et ensuite, de les refaire, donc de les recomposer en quelque sorte. Je vois que le cerveau humain, franchement, ne fonctionne pas de cette façon-là. Donc ne fonctionne pas par des morceaux. Mais ce qui est vrai, c'est que ce que vous faites, vous avez vraiment ce moyen très puissant d'analogie, et donc introduire ces formes en intégralité, de les introduire en paradigme. Et lorsque vous avez des paradigmes, vous réfléchissez à partir de ces paradigmes. Vous introduisez, vous faites des relations, des rapports de façon assez spontanée entre les éléments du paradigme, effectivement, pour créer de nouvelles formes. Et donc c'est pour ça que, par exemple, on va prendre deux exemples que vous allez avoir. Ensuite, on peut discuter de ces approches. Je vais vous donner quelques références, mais malheureusement, on n'aura pas le temps. Est-ce que je vais dépasser 35, non, ça va. Encore un petit peu. J'ai encore, peut-être faire un peu plus vite. Donc là, lorsque vous avez donc l'approche traditionnelle, là je parle vraiment de l'approche traditionnelle pédagogique. Alors, qui a été un peu oubliée par les révolutions structuralistes, générativistes ou autres, effectivement, mais qui est basée, effectivement, tout simplement sur ce qu'on appelle des formes principales, donc ce que j'ai dit, donc les principal parts, si vous voulez, en anglais. Donc vous prenez un certain nombre de ces formes-là, et ces formes-là vous permettent de dériver, de trouver d'autres formes qui font partie de ces mêmes paradigmes. Donc c'est plus complexe que ce qu'on a vu avant, donc la quatrième proportionnelle, qui effectivement est basée sur le fait que vous prenez tout simplement deux éléments, vous comparez trois éléments et vous en dérivez un quatrième. Non, il faut prendre des paradigmes là. Des paradigmes, c'est plus complexe. Donc vous pouvez avoir des paradigmes évidemment aussi de deux ou trois mots. Si vous prenez par exemple, je sais pas, si vous apprenez l'allemand,
Là, vous n'avez que quatre cas pour les déclinaisons. Donc, vous avez le nominatif, le génitif, le datif et l'accusatif. Si vous prenez par exemple le latin ou les langues slaves, vous avez entre 6 et 7 cas. Si vous prenez le finnois, vous en avez, je ne sais pas combien finalement. Donc là, donc les paradigmes, ce sont des groupes complexes finalement. Alors là, donc vous les, ce que vous faites là, vous faites par exemple là. Alors juste par exemple, faites comment apprendre le latin. Donc c'est pas la peine vraiment maintenant de prendre, ces centaines de formes, ces centaines d'exposants, ces centaines de terminaisons en latin. Donc ce qu'il suffit effectivement, c'est juste par exemple de prendre là, vous avez disons cinq groupes normalement. Bon, parfois donc c'est trois, c'est quatre, en fait c'est trois avec i o i, c'est parfois c'est sous quatre et sous cinq. Bon, ça dépend des traditions, mais qu'est-ce que vous avez là? Donc là, ce qu'il vous suffit d'apprendre finalement, et ce qui vous permet ensuite de dériver, de forger les autres formes de ces paradigmes, c'est qu'il faut connaître l'indicatif actif, l'infinitif, indicatif actif du parfait et le participe passif du parfait. Donc là, du coup, avec ces quatre formes, franchement, peut-être cinq, si vous prenez donc la première personne et la deuxième personne, amo, amas, mone, omones, tego, tegis, etc., là, vous avez effectivement, donc avec ces cinq formes, franchement, vous êtes capable de reconstituer, évidemment, à quelques exceptions près, vous êtes capable de reconstituer des paradigmes du français. Ouais, du latin quand même. Restons gaulois. Alors là, en fait, qu'est-ce qui s'est fait par exemple? Alors donc, c'est ce modèle-là qui a servi, par exemple, pour le modèle. Et là, je ne veux faire que le mentionner, puisqu'on n'a pas vraiment le temps. Je voulais vraiment insister beaucoup plus sur cela, mais j'ai vu que, bon, dans une heure et quelques, c'est pratiquement impossible d'introduire ces problèmes-là. Vous avez, par exemple, mot et paradigme, word and paradigm. Donc, c'est une théorie, notamment, qui est essentiellement défendue et promue par James Blaine. Vous avez aussi la morphologie paradigmatique fonctionnelle, donc paradigm function morphology de Gregory Stamp. Ce sont aussi les approches plus récentes de Mark Aronoff, peut-être que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de ces noms un peu, et on n'en fout pas. Vous avez Bernard Fradin aussi, qui s'est pas mal inspiré de ses travaux. Et notamment, dans la génération un peu plus jeune, vous avez Olivier Bonamy, je crois, qui a travaillé ici. Qu'il travaille encore? Non, il est à 7. Ah oui, il a pas les 7. Ah oui. Donc, Jules Boyer, par exemple, qui s'intéresse. Donc là, si ces approches vous intéresse, comment vous pouvez évidemment faire cela, comment vous pouvez décrire ces paradigmes de façon analogique, mais en se basant évidemment sur des lois parfois assez scientifiques, parfois assez mathématiques, parce que vous avez aussi quelques formules qui peuvent vous aider en fait à calculer les entropies entre les... entre les ça. Alors, ce qui est important, c'est lorsque vous décrivez les paradigmes, là, je vais vous donner ensuite un exemple, et vous pouvez réfléchir chez vous, puisque c'est un exemple fait de français. Là, vous avez des paradigmes qui se font, en fait, il y a trois. En quelque sorte, il y a trois règles qui dominent. Vous avez d'un côté les règles de choix de radicaux, c'est-à-dire il faut choisir les radicaux. Ensuite, vous avez les règles d'exponence. Les règles d'exponence, ça veut dire les règles qui choisissent des exposants. Les exposants, ce sont des terminaisons. Donc, il faut évidemment, lorsque, par exemple, vous prenez, c'est pas un exemple en français, évidemment, comme venons, venez, par exemple, là, vous avez le choix des radicaux qui choisissent, par exemple, un, ven. Et puis le choix des exposants qui choisit effectivement soit et,
venez, soit on, venons. Ou ensuite, vous avez aussi des règles morphophonologiques, évidemment, qui influencent parfois le choix des radicaux, qui influencent le fait que, par exemple, vous avez des cas comme venons, viennent, etc. Donc, des cas qui peuvent parfois s'expliquer par des raisons tout à fait phonétiques. Alors, si vous prenez, par exemple, là, je vous donne un petit exemple du système verbal français qui, là, Bonamy et Boyer ont introduit un concept qu'ils appellent l'espace thématique. Alors, là, par exemple, là, le problème qui se pose, c'est lorsque vous avez le français, quelles sont les formes principales, en fait, quelles sont les formes vraiment principales qui vous permettent de dériver les autres éléments du paradigme verbal, comme c'était le cas en latin. Ça pose un problème, parce que normalement, qu'est-ce que vous trouvez dans un dictionnaire? Dans un dictionnaire, vous trouvez l'infinitif, notamment. Donc c'est une forme de citation, si vous voulez. C'est pas une forme principale. Parce que l'infinitif ne vous permet pas, au moins à lui seul, ne vous permet absolument pas de dériver les autres formes. Si vous prenez par exemple des cas comme parler, avouer, ok, ça va. Là, ça vous permet, effectivement. Mais déjà, boire, croire, non. Même si vous avez à peu près les mêmes formes, donc, mais ils ne font pas partie des mêmes paradigmes. Donc là, il faut ajouter d'autres critères, d'autres formes principales. Puisque vous avez quoi? Vous avez bois, buvons, bu, etc. Et là, vous avez croix, croyons, cru, etc. Donc là, vous pouvez voir que, évidemment, il faut ajouter. Et si vous avez voir, savoir et mouvoir, c'est même pire. Parce que là, il faut vraiment trouver, là, tout simplement dire que, ok, bon, c'est un verbe qui se termine par voir. Bon, là, ça ne vous aide pas. Ça ne vous avance pas. Alors, ce qu'ils ont fait, par exemple, c'est ce qu'ils ont proposé, et là, je vais réfléchir un peu sur ce tableau. Alors, là, donc, ils ont proposé, par exemple, déjà, dans un premier temps, là, je prends juste le modèle traditionnel que vous pouvez trouver, qui a été ensuite un peu corrigé, c'est qu'ils ont essayé de trouver, effectivement, en quelque sorte, qu'il faut partir, qu'il faut connaître pour vraiment pouvoir utiliser les verbes français, il faut connaître 12 formes des radicaux. Si on laisse de côté pour le moment les exposants, les terminaisons. Alors, ce qu'ils ont dit, c'est effectivement qu'il faut distinguer globalement effectivement ces 12 formes que vous avez là. Donc ce sont des formes qui vous permettent ensuite de dériver les autres formes. Là, c'est une perspective qui est statique, si vous voulez. Parce que, pourquoi statique? Parce que c'est général, ça vaut, c'est applicable à tous les paradigmes, à toutes les classes flexionnelles du verbe français. Mais, ce que vous pouvez faire, et là, je vous propose un petit jeu, c'est par exemple que déjà, vous pouvez voir que vous n'avez pas besoin, pour toutes les classes flexionnelles, connaître 12 formes. Si vous prenez un verbe comme parler, et un verbe, par exemple, comme voir, vous pouvez voir, effectivement, que pour parler, vous avez besoin de beaucoup moins de formes principales que pour le verbe, voir. Donc c'est le défi, effectivement, de ce renouveau qui s'est fait dans cette perspective qui est dynamique, c'est-à-dire que vous avez besoin de passer, que vous avez prendre d'abord les classes flexionnelles et ensuite déterminer quelles sont les formes principales, pas travailler sur tout le système. Parce que, alors, déjà, le système français est relativement complexe. Mais il y a d'autres langues où, par contre, les systèmes, soit verbaux, soit nominaux ou autres, sont beaucoup plus complexes.
Alors imaginez que, disons, si pour le latin, vous devrez faire ça, donc c'est pratiquement en fait une galère. Bon, si vous faites ça pour les langues slaves, par exemple, que je connais mieux, donc là, oh là là, donc ce serait vraiment difficile. Donc, ce qu'il faut d'abord faire, est-ce que parfois, puisque ce que vous pouvez voir là, bon, ce que j'ai mis là, c'est juste que là, les radicaux, par exemple, 1 et 8 sont identiques, que le radical est contenu en fait, en ajoutant E à la fin du radical 1. Donc là, vous pouvez faire ces généralisations. Mais il faut le faire pour chaque classe flexionnelle. Il faut d'abord choisir les classes flexionnelles. Donc il faut d'abord choisir les paradigmes, si vous voulez. Donc pour appliquer l'analogie, ce qu'il faut faire, il faut d'abord choisir les paradigmes et ensuite faire une typologie de ces paradigmes sur des critères plausibles, donc qui parfois dépendent d'une langue à l'autre. Donc je sais que par exemple, là le modèle de Stamp souvent a été critiqué par les slavisants, parce que bon, comme quoi il n'est pas applicable aux langues slaves, ce qui à mon avis n'est pas vrai, parce que au moins j'ai testé pour le slovène, bon, ça marche. En fait, jusqu'à un certain niveau, c'est vrai, mais bon. Mais bon, c'est ça, oui. Ok, c'est le blackout. Attends, si vous avez des questions.